connecté, bébé. Banza qui finit, c'est connecté, bébé. Banza qui finit, c'est connecté, bébé. Banza qui finit, c'est connecté. Merci beaucoup la geste. Au vous salut. Il est qui ne vous Je vous invite à mon concert. C'est 26 août 2023 à Londres. J'ai confiance, c'est bien Louis Rasson, le roi de la forêt. Solo l'a bien vu. La réalité, Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya. Le 26 août, à Londres, la salle, Indigo. Yaya, Baya, à quoi qu'on sait jamais. Nous sommes tous les salamans, nous sommes tous les salamans.
Blocadena. Je vous aime beaucoup. Allez, communiquez. Blocadena. Balobu, hein. Tous à la rana. Tout au bout la culture. Le 26 août, contre les Anna. Lambert. Pour tout Anna. Lambert. Pour aussi la caca. Lambert. Bonjour, je m'appelle Go Michel. Je vais vous parler d'une application sensationnelle, SendWave. C'est une application de transfert d'argent vers le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et plein d'autres pays. Donc, si tu recherches une solution pour envoyer de l'argent à ta famille, tes amis, choisis SendWave, comme des centaines de milliers de personnes. C'est une application facile à utiliser pour envoyer de l'argent à moindre coût. Alors, n'attends plus, télécharge SendWave et prépare-toi à faire des heureux. Bandoule kozonga te chez Djonga 3 a zongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa. Bokosepe la jolie qui toque. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Soukabisanga. Bokozwa Nokolias. Emel alias de Mingongo. La voix qui cloche. Et Longona Wenge. Poussana Tovanda. En matinée live. Oyo Eko Banda. À partir de 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini. Kaka ceux qui aiment la silesi. Mbala Moko Night Club. To boîte et fungwami. À partir de minuit. 5h avec DJ Bobo Oyo a posé plus Sabino na bandoule et pena ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Nous t'en reçu la 50 boîte. La katakine, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, na Kati à Paris, pe na France, mon Bimba. En tout cas, déjà merci aussi pour cet honneur d'être en face de vous, de vous avoir répondu présent. Et merci aussi aux organisateurs, donc merci beaucoup à Postplage et tous les partenaires. Le 26 août, comme on l'a dit, c'est du spectacle. Les conséquences sont bonnes. Pardon ? Les conséquences sont bonnes. Oui, les conséquences sont bien réelles. Rego, c'est déjà la star, comme vous le savez bien, grâce à ses chansons, ses prévoquines, ses créativités. Et moi, de mon côté aussi, pour grand plaisir de l'année, en cas. Donc, vous pouvez vous attendre à une très bonne scène qui sera colorée avec la danse, les chants. Et comme elle vient encore de le dire, le jour-là, ce n'est pas question de couple, ce n'est pas question de voilà, la famille et tout, mais ce jour-là, à peine tous les côtés naïfs, quand ils sont naïfs, ils font l'amour. Donc c'est ça qu'on veut faire vivre à ces beaux, etc. On veut vraiment vous donner les meilleurs de nous-mêmes, tout en paix, mais les appels du tout, mais ici, je pense pour la première fois en live. Et voilà, ça sera très magnifique. Très magnifique, voilà, pour la première fois, c'était le numéro 10 d'Asby. Et bien, chers amis, la pièce, place aux questions, réponses. Et il est important
sur le Ghana. On ne va pas se permettre de parler politique ici. On ne va pas se permettre de parler vie privée. On ne restera que sur la date du 26 août. Vous connaissez les deux artistes. Ils ont pris la peine de pouvoir expliquer à tour de rôle ce dont ils attendent et tout ce qui vous réserve pour le 26 août. On ne parle pas de la politique. On ne fait pas allusion à notre artiste. Il est question de parler de ce concert en avant et au-devant de la scène, l'artiste Rebo et innocent. Il est question de culturel, de vacances, entre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Kelly. Je tiens encore à rappeler qu'il n'est pas question de faire allusion aux cet artiste. On ne parle pas politique. On ne sort pas du cadre du 26 août. Merci bien, cher ami la presse. Je crois que vous avez un micro en bas. Et je vais vous permettre de poser des questions. Posez-moi une gala en français, comme bon vous semble, il n'y a pas de problème. On va aller étape par étape et merci aussi de le faire gagner en temps. Qu'il n'y ait pas deux, trois questions, des questions qui fatiguent. Des questions bien précises. Vous avez les sponsors avec nous, vous avez M. Kelly, le commentateur Flash, vous avez l'artiste Rebo et l'artiste Cosby. C'est à eux qu'il faudrait poser des questions et nous écoutons. Si vous pouvez se reposer dans les lumières derrière, les artistes sont mélangés, c'est compliqué pour nous. Même pour nous-mêmes aussi, le voir ici, c'est voilà, merci beaucoup. Soit encore, ça va pour vous. Ça va, parfait. Le micro, s'il vous plaît, je crois qu'il y a une normalisme d'avis. Merci beaucoup pour la parole. Excusez-moi pour la voix. Ma question va s'orienter auprès de l'organisateur Art Fresh pour ce particulier. Je suis de Misa World Television. Alors, ma question est la celle-ci. Pourquoi avez-vous pensé à vous amener devant les artistes qui ont montré que vous voyez devant de nous? Qu'est-ce qui vous a motivé au juste? C'est quoi la motivation? Parce que qui reste à l'école, je beaucoup les artistes et musiciens. Mais pourquoi votre regard est tombé sur Inosuki et Rebo? Et également, concernant l'air, vous avez parlé ici dans la fiche que l'activité doit commencer à 16h, on ne sait pas. C'est là par rapport maintenant à quelle heure? Sur X-Time ou comment? Et quels sont également les différents accompagnements qui va également nous permettre de régaler dans ces. Merci. Merci bien, je crois que M. Guy. Mais si vous permettez d'allumer, je crois qu'on a encore la valeur de l'aider. Et vous quand même, c'est pas mal. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Avant tout, je veux remercier encore le ministère du ministre, le ministre d'abord, M. Didier Montagnier. Deuxièmement, Postage à penser, c'est un endroit touristique, c'est un site touristique et complexe touristique. On a plusieurs activités ici. Donc, avec un postage, ça c'est le début. Vous connaissez l'endroit, c'est un endroit touristique et en plus un endroit familial pour tous les gens. Donc, un postage, ce soit pour les petits, pour les amis, pour les parents et pour les grands-parents. Donc, durant cet événement, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup d'activités. On ne peut pas parler encore des surprises qui attendent cet événement-là, mais soyez sûrs que vous allez passer un bon temps, un bon moment en famille avec les artistes, avec plusieurs shows dans cet événement, bien sûr, à manger, à boire, tout cela disponible. Donc, moi je veux prendre encore cette opportunité pour pousser un peu les jeunes à inviter leurs parents dans ces jeunes et dans ces gens des événements. Parce que les parents, ils ont travaillé beaucoup pour les jeunes, et maintenant on peut offrir un peu un cadeau pour ces parents-là, les accompagner dans ces gens des événements. Et le contraire, encore les parents peuvent amener leurs enfants et leurs adultes dans ces gens des endroits touristiques sécurisés et en plus protégés. Je disais
La réponse à cette question, à base que l'a déjà bien expliqué, c'est le concept qui est très familier et puis c'est aussi la culture des vacances. Donc voilà. Donc plutôt que de voir comme normal, avant de poser des questions, là c'est vous qui avez déjà des réponses qui sont bien pour poser la question. Merci. Merci. Bonne question, s'il vous plaît. Je crois qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, de la part de l'émission Plateau de l'énergie, trois petites questions à poser à nos artistes. Ma première question est celle de savoir, c'est pas une première fois de voir Luminos B et Rebo visiter ici à Aquasplash. Mais pour amener deux en fait pour ces concerts, ça serait quoi la particularité de ces concerts? Et ma deuxième question est, quelles sont les surprises en fait réservées pour ces concerts? Et ma troisième question est, quels sont les artistes qu'on peut voir? Parce que c'est pas une première fois pour Luminos B, à chaque fois que vous avez le concert, il y a aussi d'autres artistes qui vous qui viennent en fait pour vous donner un coup de pouce. Et pour ces concerts ici, il y aura encore d'autres artistes parce que le même jour, votre frère, qui a aussi plusieurs fois resté avec vous, Gaze Fabulous, aura aussi le concert. Comment ça va se passer en fait? Merci. Merci pour la question. Je pense que dans la stratégie d'Aquasplash, encore une fois, il y a déjà eu des affiches qui sont un peu dépassées, on est en train de partager sur les réseaux sociaux. Des artistes qui vont aussi rester ces jours-là, des jeunes qui, à cette occasion aussi, vont prendre part et partager avec nous la scène. Donc il y a plusieurs noms que je ne saurais pas citer. Et le 26, c'est une date pour tous. Je ne dis pas que les concerts que nous sommes en train d'avoir ici, c'est le seul événement qu'il y a à Kinshasa. Et puis, je suis aussi au courant que notre frère Fabinho a aussi un grand concert et je lui donne, je lui envoie toute ma force. Et ça, je ne vois pas aussi le rapport de cet événement avec les concerts de Fabinho. Mais je suis très au courant, nous sommes tous au courant. Je pense pour la particularité par rapport à ce concert, je pense pour vous et nous, c'est que je pense que c'est la première fois que Rico et moi nous sommes en tête d'affiche autour d'un seul événement. La plupart des fois, nous avons, j'ai un concert par exemple, et puis il y a une pièce surprise, mais là il est aussi en tête d'affiche. Donc quand vous allez venir à ce concert, vous venez au concert de Rico et Inos. Vous ne venez pas à un concert de Inos. Les réponses guest va faire une chanson ou deux pour une grande surprise. Vous venez pour écouter tout le répertoire de Rebo. Vous venez pour tout son spectacle et le lien en même. Donc c'est un peu ça la particularité. Donc on va donner tout ce qu'on a en stock. Et les surprises, c'est fait pour être des surprises. C'est pas pour commencer à tout dévoiler ici et tout. Mais en tout cas, il y a une liste des jeunes artistes qui sont en train d'être affichés chaque jour. Et puis voilà, vous venez juste enjoy. Rassurez-vous que vous avez déjà payé vos billets. C'est ça qui est très important. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport à la particularité de votre gouvernement. Et puis, il y a la dernière question. Si c'est la langue, vous pouvez bien dire. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je vais vous une question. Alvin Toumba, la famille. Madame Mère, c'est que tout le monde a dit il doit se dire à la musique. Les amis, invité Steve et la musique qui a pris. Je pense qu'ils ont prévu en premier face à la presse. Parce que vous avez prévu par rapport à ce que Steve est vraiment la musique qui a pris pour le monde entier, pour le concert et au délire de la vie. Voilà, ma deuxième question. Quand vous voulez mettre ça en bouquet, mais il a tout le monde, c'est pour l'occasion à tout le monde. L'Ostrie, et le bac de la TVO avec l'absence qu'il y a une Ostrie, l'absence qu'il y a une Ostrie, la francophonie. Je ne sais pas, les amis pour avoir une Ostrie, la série d'Ostrie, c'est quoi tes parenthèses, là vous faites la tournée d'une Ostrie. J'ai une opportunité pour moi. Pour tout vous avoir la télé, tout vous avoir la télé. Voilà. Bon, bah, après, il faut que ça soit. Merci beaucoup. Cet événement, c'est
un cancer pour innover seul. Un cancer pour être seul. C'est un cancer pour les deux ensemble. Donc, je veux juste que vous compreniez ce point-là. Donc, chaque artiste va jouer son répertoire, va jouer, va rester un temps. Chacun seul va rester, les deux ensemble vont rester. C'est un concert. Chaque artiste est un concert pour les deux ensemble. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Il s'agit de parler comme il peut se plaisir à votre. Donc, il y aura Rémo qui va jouer. Il y aura un porteur d'arrêt. De même aussi pour une inspire. Et après, à un moment, on va le lancer sur scène. Vous savez, un peu ces trois parties qui sont hyper importantes pour moi. Venir et vraiment à cet esprit-là, il n'y en a jamais eu. Et c'est pour son attitude. Le micro, s'il vous plaît. Ta question, comment vous traitez ? Ok. Déjà, on parle de mon style de musique. Là, oui, oui. Il est bien assez inexplicable et tout le monde. Continuons à nous dire qu'il est bien. Il est bien à l'idée d'un faux bon. Il est au festival de musique, dans la salle à Carabé, dans le monde de musique. Dans le monde de musique, tout le monde va mélanger sur la danse. Oui, il va se faire un peu de pote, contaminé. Tu vois un peu ce mélange-là. Et là, il y a un peu de style, d'un style et d'un égo. Dans ce couleur, voilà, va bien dans le monde de musique. Je pense que Hello Mavis est aussi la masse à la plus. Et ça va interdire une façon de la parce que ma caméra est maintenant, on a besoin de temps et à me donner la côté de ça, la raison à elle. Bon, le papa est complètement entier. Au lieu de pas carré, voyez, ma mère, il m'a dit, elle a un ami qui vous fait. Je pense que je réponse à Hello prochainement, il y a des mots. C'est la musique à elle, et ça, bon, c'est la musique. Merci. On va prendre, s'il vous plaît, le micro ici devant. Bonjour. Moi, c'est un peu la tête de tout ça, après son nom. Donc, question à la même. C'est que mon nom, c'est un peu pour ça, parce que moi, je prends les arrangements, et on a la suite. Alors, on a une même. Après, quand on vous a un système de culture qui est dans la tête ensemble, ou alors, on va poser le roman en plein environnement, dans une position sur scène. Il y a un format de la vidéo, vous avez juste fait un tuer vos têtes déjà pour avoir une question. C'est un concert de l'Ego à un seul. C'est un concert de l'innocence à lui seul. Mais c'est aussi notre concert ensemble. Tant que l'Ego à l'affrontement et la musicale, Togo Beta, Ecole et Togo Beta, on a le même pas. Donc, et ça affrontement à la musique, et ça affrontement à la bonne humeur, et ça affrontement à, en famille. Quoi. Donc c'est pour s'amuser, c'est pour passer du bon moment, et surtout pour communier avec le public qui va être là ce jour. Donc, pour ajouter la décadentisme, je vais message pour la Congo, on va bien dire que c'est une visibilité. Il faut que pour les mythes, donc, dans ce moment, je suis en train de me dire que je vois la danse de l'Ocaboana. Affrontement à Congo. Je vais appuyer ma. Ce qui a été la limite, la retour de l'Ewana, malamant. Ce qui a été la tête ici, il est dans ma tour polie, donc il va les pieds à la tête. Donc, c'est ça, c'est musical. Voilà. Merci. J'ai trois questions à poser. La première, je la pose à Ousti. De la deuxième, à tous les deux. La troisième, ce sera pour le désir de Aquaslash et ses partenaires. Voilà. La première question, Ousti, pardon, sous quel signe pouvez-vous placer ces concerts, du samedi 26 août? Ou bien, pour la conversion, c'est quoi la raison maîtresse de la tenue de ces concerts? Voilà. Je veux que vous m'expliquiez ça. La deuxième, quel message que vous vous êtes assigné pour auprès des jeunes gens, des jeunes enfants qui ont votre carrière musicale?
Nous voulons savoir le dernier message que vous vous êtes assigné, donc les deux, artiste Josby et Rebojo. La dernière question, je l'adresse à Rebojo, le responsable de l'emploi Splash et ses partenaires. Quelles sont les modalités entreprises pour le bon déroulement de cet événement? Encore une fois, je veux remercier nos sponsors qui sont à Bruxelles, le Bruxelles, le Cabo et Fernand. Donc, les modalités de cet événement, c'est comme l'événement, il y a beaucoup de surprises. Donc, ça c'est le travail à faire. On ne peut pas l'ouvrir. Nous sommes une famille. Il n'y a pas ce genre de discussion. Le bidon qu'on s'en jette. Le bidon qu'on s'en jette. Chef, voilà. On m'a dit des ostéopathes, Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma casse. Mais pour le reste, si on passe ce traitement, il y a des hémorroïdes. Mais si on a un combat de la copa pour l'amour, on a un jour d'habitude sur ma papa. Ce que vous l'ignez, on mesurait. Centimètres non avant de la là pour nous qu'on voit ça on commence les sous on commence les bonnes toujours champion on comprend par question de la question on pense que c'est comme si tu n'as pas quand on a laboratoire mais à missile et puis et salami n'a pas c'était à Congo dans cette tête à Congo parce que nous soutenons il ya Congo n'est maman n'a pas aussi qui est À pharmacie et puis la saliba master na niveau ya université Marie Ngouabi et na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles dans l'éco œuvre dans laboratoire CRMTA ou Italie laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments c'est-à-dire ba qui c'est à partir ya ba nzete na biso ya Congo ba qui c'est nyonso o bozomona ara na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude libérée et puis bah qui si on est dans la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture ils ont la autorisation ya mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka bah qui si on est dans produire la sérénité ya et puis pour tout moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, c'est la mort de Bissot,
na ba tradi thérapeute to ba naturo thérapeute et où y a biso donc les femmes awa na la loa comme un missile dans ton pichu tonnerre y est de savoir. Nous chantons tout ce qui est positif d'abord, parce que tout ce que nous ne souhaitons pas à l'échelle, c'est le bonheur aussi. Nous voulons faire la continuité, la bonne humeur, la paix et la puissance. Mais en même temps, nous voulons aussi conscientiser de temps en temps. Que ce soit avec vous, que ce soit moi-même. Mais n'oubliez pas que la musique, avant tout, c'est pour divertir. Donc nous sommes là pour nous divertir et après ça, avec nos personnalités, avec notre célébrité, nous utilisons ça comme une plateforme pour passer des messages importants pour l'évolution et le développement de notre pays, de notre peuple. Par rapport à Bakaché, merci à Bakaché. Côté on a beaucoup de vous savez, parce que l'on a eu déjà. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Donc c'est là parce que les professionnels, mais si vous voyez quand même des artistes qui se respectent, vous voyez la conférence de presse le 13, pour l'événement, il y a le 26. Vous voyez, il y a un côté, voilà, papa est lié à son rôle. Maintenant, on va partenaire au Monique, c'est un événement qui est grand, c'est pour ça qu'on insiste. Ne gâtez pas cet événement partout, vous allez partager avec nous la nouvelle. Le 26, ça sera une fête. La jeunesse qui a eu beaucoup d'activités pendant les vacances, ça sera une date où on va tout retirer en beauté. Donc, pour y aller à la humeur, il y a bien. Beaucoup taper ma compagnie, très bonne ambiance en famille. Donc, invitez aussi vos parents, parce que vous avez des artistes en face de vous qui chantent une musique qui n'est pas limitée. Donc voilà. Merci. 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 J'ai aussi un message à passer pour ce qu'on parle aussi. Et donc, à mon splash, a pris soin de pouvoir faire plaisir à ses fidèles abonnés. Donc, pour ceux qui vont devoir acheter les billets de ce concert, au Matikio à la après le concert, ce qu'on y est là pour vous, au lieu où il y a la PAC, on présente la billet à la concert, voilà. Nous soulignons encore la tête. On les a cadeaux pour ceux qui vont leur acheter des billets pour le concert de ce matin. Très bien. On va prendre une question. Alice, qui est là? J'ai juste des questions à vous poser. C'est quoi les surprises que nous avons préparées pour toutes les clips qui seront dans l'exercice? Et ma dernière question est la date de votre deuxième album. C'est pour quand? Merci. D'être toujours présent. Merci infiniment. Vu que vous regardez la musique, donc soyez un peu patient. On va parler de cette prochaine étape-là, très prochainement, je vous promets. Par rapport au deuxième accord, donc soyez patient, on va parler très prochainement. Et tant aussi la même, la Tokyo, il y a la vacance, le 26 août. Donc merci beaucoup. Très bien. Il y a des valeureux parmi nous, mais je pense qu'on va devoir écouter finir. Mais si je prends, mais s'il vous plaît, prenez les micros, mais je pense que mal. Il y a quand même des valeureux parmi nous, et puis on va prendre, ça sera trois dernières questions, et on pourra finir avec cet état. Voilà. Bonjour, merci. Bonjour, je vais prendre les gens. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, c'est Franck Stéphane, après l'AIFO, le directeur général. Merci, déjà, portail 06. Puisque la politique ne soit pas concernée par l'unité. Ne soit pas concernée par l'unité pour l'album Nord-Père 06. Puisque la politique ne soit pas concernée. Alors, pour nous, on a fait 26. Pendant que maman n'a pas coupé, après la baptisée, beaucoup a été. Un nouveau monde, tout le monde a été de l'énoncé à l'affichant de nos artistes. Au niveau du répertoire, de nous, on a
et de l'idée pour ce que vous parce que c'est aussi ce qui va passer pour le délire bien, et pour ça, la chaîne de plaisir, ok, là, nous pouvons pas voir un show. Maman, la papa, vous avez pas eu de problème. Juste mes amis, pour ma part, sur scène, mais vous voulez plus qui va commencer et lui qui va commencer le concert. Alors, pour laisser la place maintenant. Merci beaucoup, M. Marie. Je pense que moi, je vais parler plus à côté du spectacle, donc il va se battre. Je pense que pour un patient en concert, vous aurez peut-être le jour J, parce que Tolima Moué et la Téna, ils ont parlé de Sina, ils ont six. Qu'est-ce que Tolima Mi de six? Si vous avez un peu de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, tu vois, on ne peut pas dire ça maintenant. Je pense que ça sera le jour J qu'on va t'afficher tout à l'heure. Et pour le répertoire de mon côté, je pense que je vais quand même essayer de faire toutes mes chansons, peut-être qu'il y aura aussi des surprises que vous, maintenant, vous m'avez parlé parmi mes chansons, ma nouveauté, c'est les années bêlées. Mais je serai quand même, je ferai quand même un effort de tout rester, toutes mes chansons et autres. Leslie, il y a pas eu tout le conseil monté 06 et les chansons sur la 6. Merci pour la question. Je pense par rapport au concert de mon album, mon tout premier album en 2006, c'est juste que peut-être n'avance moins ma casse. Parce que si vous voyez bien, l'album est un image qui m'a fait faire un bisou. Vous pouvez aller au zoo, parce que là, il est là. Conseil de mon ami, là, qui est à l'occasion de son album, mais là, il est ma casse. C'est ça qui m'a aussi. Parce que la question, je vois que côté de la maison, aux amis qui l'aident, c'est ça que les gens m'ont vu après la sortie de mon album faire des concerts, pas seulement même à Kinshasa. J'en ai fait à Kinshasa, j'en ai fait en province, j'en ai fait à l'extérieur du pays. Seulement, voilà, Nicolo, encore une fois, je t'ai dit, on est plus en train de suivre la déclaration pour les cabatoires. La faisère. Moi, j'ai dit qu'on a évité la émission parce qu'il y a maintenant trop de déclarations. Les gens ne font pas beaucoup de travail, déclarent plus pour les cabatoires. Ça, ça. Tito, on a un niveau de paquet. Quand on a essayé de poser la communauté, parce qu'on a mis des choses à préparer par conseil, les gouvernements, ils ont peut-être. Parce que seulement moi j'ai juste après lancement et encore, on a pensé même pas un mois de communication à faire. Mbalabo, vous êtes en Chennai dans ma procès, vous nous avez vu sortir, aller de gauche à droite. Donc pour moi, par rapport au répertoire dans les concerts, depuis la sortie de mon album, tout ce que j'ai fait et mes anciennes chansons. Et mes nouvelles chansons qui sont parties de l'album. Parce que, retenez aussi qu'après l'album, il y a déjà eu des chansons comme Mabogo Milani et Kiss, avec Zoutou, Mabogo avec les vieux, la légende, il y a déjà Flex, Nabakaris. Donc la vie continue, mais moi, en tant qu'artiste, quand j'ai un concert, j'ai envie de tout donner. Parce qu'ils viennent, il y a ceux qui vont réclamer les titres de l'album, et il y a ceux qui vont réclamer toutes les autres chansons qui existaient avant et déjà après l'album. Donc j'espère que vous avez toutes les réponses à votre question. Merci. Merci. Par rapport au concert, oui, Inos, c'est pas à
la jeune amante, à la star, à la pédale, qui soit bâti, les deux, et puis, dans les armes, il y a une expérience et des pour les gars. Côté mon amant, stress, ok, ça n'a rien à voir avec la vérité. Quand les amis, la fiche nombre et tout ça, et stressé, il y a un ok. Alors, quand on faisait le live et tout, après, on m'a attaqué en disant que yo, je suis un autre, on était dans le temps, on était dans la vérité. Mais après, ça me stressait un peu. Après, ils ont des dépressions, ils ont des gars malades. J'aurais une ou deux choses à dire avec les filles, parce que pas personnellement, je t'écris, mais qu'on ne soit pas jaloux. C'est vraiment une personne que je kiffe depuis très longtemps, surtout lequel on va pas en wow. Donc j'allais dire que Dieu t'aime beaucoup. Là, on s'en a un moment d'artiste aimé, personnellement. J'ai même dit salut à ma mère, j'ai même parlé avec Rick Ross, avec, je sais pas moi, avec Jay-Z, quelqu'un au niveau de notre condition est bébé, bébé, bébé. Beaucoup de bisous. Ah, ça fait plaisir, merci. Allez, pour pas aller te dire bien. Tout simplement. Pas de commentaire. Ah, bah, il dit ça. Il y a autre chose qui n'a pas de commentaire. On va prendre la dernière question et on va continuer avec notre conférence sur Alice et déposer. On est resté sur les élites. La deuxième question, c'est une parole pour le livre, c'est ça. Je crois que tu vas faire un peu de. Tout à l'heure, est-ce qu'il y a un autre concert prévu après le matin pour continuer en 2023? Bien sûr, restez connectés sur nos pages, comme vous le savez, les groupes sont bien connectés, donc côté on a bien que vous savez. Et puis, tout ce que j'attends des groupes, c'est de l'énergie. Vous savez comment un concert, les autres dans un concert avec les doyers, un panneau frimé, un panneau de soukha, un concert de l'Opa Batana et les autres yaga. Il faut que on enjoy ce moment. Parce qu'on n'est pas venu pour rester triste, on vient pour frimer. On vient c'est pour passer ce bon moment. On n'est pas partout dans le monde. Mais le public peut peut-être aller en concert. Mais chez nous, Charisme Bélé, mais côté à la Bifunaise, Caribe, c'est quand on quitte les liens de concert, mais tant qu'on continue de s'amuser, passer de bons moments. Donc j'attends cette même énergie de mes griffes. Et puis, par rapport, j'ai dit encore bien, par rapport à ma carrière, prochaine étape par rapport à l'album, j'ai entendu la question en passant. Soyez patients, on va en parler pour le moment. Mais là, on est d'abord en train de se concentrer et se focaliser sur les éléments du processus. Très bien. Merci. Je pense que ça sera deux dernières questions pour le monsieur. S'il vous plaît, pas de vous. Merci. Je pense que, avant de poser la question, en chemin, au fait, ma femme, par exemple, a commis tellement aimé que dans notre économie, ça n'a des voix et vous allez obliger à vous la beaucoup parce que, sinon, c'est ça qui est le temps pour aller à ce bâtiment, mais d'après, je pense, dans pas longtemps, peut-être, on va avancer que vous avez la femme d'accord. Et qui ne vous reçoit pas,
à vivre. Merci. Et le 26 août, on se retrouve pour aller ensemble. Moi encore, je vais remercier Jonathan. Merci beaucoup. Merci pour les artistes. Merci beaucoup pour son sponsor en tant qu'indépendant, Patricel. Et on peut le dire là. Donc, moi, bien sûr qu'il n'y aurait pas un autre sponsor en tant que savoir et servir. Donc, merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On va immortaliser là-dedans. Bon, ça serait déjà la photo très bien hein, qui va se prendre ici seulement. Et après, à côté, c'est un certain. Vous avez la presse. Merci beaucoup. Et bon dimanche. Bah, foutard.